Alors, ce matin, vous avez assisté également à la conférence sur la cybercriminalité. Quels sont les enjeux pour un élu, justement, sur ces services qui sont proposés par les entreprises ? Eh bien, je crois que c'est très, très important. Et là, dans cette table ronde, on a parlé des risques qu'il y avait et les conséquences également, les conséquences financières, les conséquences économiques pour les entreprises. Donc, c'est très important d'anticiper. Et là, je crois vraiment qu'il y a une réelle volonté de la part des collectivités, mais aussi des personnes qui sont des prestataires de services, qui connaissent déjà, parce qu'il y a une association, là j'ai découvert cette association, qui s'occupe déjà de l'anticipation de la cybercriminalité. Donc il est important que nous puissions travailler aussi avec toutes les ressources, hein, toutes les personnes ressources que nous avons sur le territoire pour anticiper, parce que maintenant on a vu pour certains organismes, certaines institutions sur notre territoire qui ont été confrontées à cela. C'est des questions où on perd beaucoup de données, où aussi il y a les problèmes de confidentialité des données. On a des conséquences qui peuvent être irréversibles pour les entreprises parce que les montants qui sont demandés à ces entreprises ne permettent pas forcément à toutes les entreprises de pouvoir répondre. Donc c'est des enjeux importants dont la nécessité de prendre à bras le corps cette problématique et de mettre en place des backups, des systèmes de backup pour permettre aux entreprises de rebondir très rapidement pour ne pas se retrouver en difficulté. L'autre problématique qui a été identifiée, c'est le problème de l'assurance, le risque assurantiel important, parce que les assurances, bon, peut-être qu'elles seront frileuses. Donc là aussi, il faut qu'on voit quels sont les moyens possibles pour permettre aux entreprises d'avoir aussi une couverture assurantielle permettant évidemment de trouver les meilleures solutions possibles pour la sauvegarde, pour permettre également d'anticiper les difficultés qui pourraient subvenir à tout moment, parce qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut arriver.